Cet hebdo, édition du dimanche 14 février 2016. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Ce dimanche, plein feu sur l'adresse du chef de l'État à la Genèse. Comme il est de tradition, Paul Biya était face aux jeunes le 10 février dernier, c'était mercredi. Patriotisme, agriculture, industrialisation et développement de l'économie numérique. Ce sont là quelques principaux thèmes qui ont occupé une place assez importante dans le discours de mercredi. À côté, la grande annonce dont tout le monde parle, il s'agit du lancement d'un plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Un plan qui devra faciliter et accélérer l'insertion économique des jeunes. Lorsqu'on sait qu'en 2015, le chef de l'État promettait la création de 35 000 nouveaux emplois, l'on est en droit de se demander pourquoi le bilan de ces emplois n'a pas été établi comme promis mercredi dernier. Et puis la jeunesse camerounaise a-t-elle réellement un avenir dans l'agriculture? Peut-on croire au tout nouveau plan triennal spécial jeune? Le Cameroun peut-il s'arrhythmer à l'économie numérique? Voilà là quelques questions auxquelles nous répondrons dans un instant. Avant d'aller plus loin, je vous propose, très chers téléspectateurs, de faire connaissance avec le panel. Nos invités, je commence par vous, Denis Kouebo. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Jour, donc journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla, et je suis toujours ravi d'être là tous les dimanches, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce matin. À côté de vous, nous recevons Achille Azemba, il est le 6e adjoint au maire de Douala 3e, donc militant du social-démocratique. Changez tout juste. C'est exact. Bonjour et merci d'être là. Merci beaucoup, merci de l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre plateau. Merci encore. En face de vous, un autre homme politique, Elisang, président OJRDPC. Président de la section départementale OJRDPC, vous les deux. Voilà, merci d'être avec nous. Merci. Voilà. Et puis juste à côté de vous, Joseph Tsongaito, il est inspecteur numéro 1, chargé des questions techniques au ministère des Postes et Télécommunications. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de cette opportunité qui a été offerte au ministère des Postes et Télécommunications de prendre part à ce débat. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Je précise que vous interviendrez notamment sur la question du développement de l'économie numérique. Exact. D'accord. Alors tout à l'heure, nous recevrons Cyril Bojico, le directeur général de Radio Balafon. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse un tour de table. J'aimerais savoir, chacun de vous, quelle est l'actualité qui a retenu votre attention cette semaine. On aura par exemple eu ce changement à la tête de la Kamwata. On aura également eu la nomination du nouveau directeur, le tout premier directeur général de la Sonatrach. Donc je commence par vous, Denis Kouebo. Quelle est l'actualité qui a retenu votre attention cette semaine? Bon, vous savez que les actualités se créent par décret présidentiel, si on s'en tient à ce que vous énoncez. C'est malheureux parce que le pays ne doit pas vivre au rythme du désirata d'un seul homme qui est le président de la République du Cameroun. Je crois que tout à côté de Douala, il y avait une énième manifestation des riverains et au-delà de la Socapalme. Il faut qu'on en parle parce que depuis un certain temps, il est pratiquement difficile pour un média camerounais de dire un seul mot sur ce qui se passe dans les entreprises du groupe Bolloré. Parce que le président demande à notre jeunesse d'être patriotique. C'est le lieu de dire que, par patriotisme, les Camerounais doivent s'intéresser au sort qui est réservé à des Camerounais autour des entreprises du groupe Bolloré qui est un citoyen français. Donc on n'est pas patriote en s'intéressant uniquement à ce que le président dit dans ses discours, dans ses décrets, mais en s'intéressant à la vie de ces gens qui aujourd'hui, depuis des mois, depuis plus d'un an, manifestent sans écho dans la presse. Peut-être qu'un jour on saura pourquoi est-ce que personne ne veut parler de ce qui se passe chez Bolloré au Cameroun. Encore que ce ne sont pas les seuls employés du Cameroun à manifester, beaucoup d'autres dans d'autres structures. Donc, également à vous, Achille Azemba, quelle est l'actualité qui vous aura marqué cette semaine? Oui, cette semaine, j'ai été sidéré par l'attitude d'un ministre qui se permet
de dire qu'il n'y a pas de l'eau au Cameroun et que c'est la faute d'un directeur général alors qu'il est ministre. Moi, je pense que sous d'autres cieux, on aurait demandé à ce ministre de démissionner parce que il a poussé le bouchon très loin. Ce ministre, pour ne pas le citer, monsieur Atangalakuna, est l'ex-directeur général de cette entreprise. À son époque, il n'y avait pas d'eau. Passé ministre de l'eau et de l'énergie, c'est toujours sous sa compétence qu'on parle des questions d'eau. Qu'il débarque à Douala un jour, fait son cinéma et repart en remplaçant le directeur général pour nous dire qu'il a fait quelque chose, s'il vous plaît, que les gens respectent au moins les Camerounais qui souffrent. C'était ça mon coup de gueule. Elisa, la même question pour vous. Oui, bon, je voudrais quand même dire que l'actualité au Cameroun ne rime pas avec les décrets présidentiels. Bon, ça n'engage que celui qui le pense. Et le changement à la tête d'une structure étatique dépend de ce que les noms et on juge l'action au pied du mur. Bon, à ce qui me concerne, je ne peux être que l'avis du discours que j'ai suivi le 10 février 2016 de la part du président national de mon parti, président public, de ce plan spécial jeune et qu'il ait compris qu'enfin, il faut revenir à l'agriculture et à tout ce qui peut apporter comme croissance au monde numérique. Encore qu'il en parle depuis quelques temps déjà d'agriculture. Là, maintenant, on y va vraiment. Je vous dirais que c'est pas uniquement d'en parler, mais également il y a des choses à faire. Mais bon, on en parlera. On aura le temps de développer ça tout à l'heure. Et puis Joseph, vous également, quelle est l'actualité qui a retenu votre attention cette semaine? Alors, l'actualité qui a retenu mon attention, c'est du côté de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. La bravoure de nos forces de l'ordre qui ont su débusquer une usine de fabrication des explosifs qui servait à la secte islamique Boko Haram. J'ai dit chapeau à ces braves soldats et nous devons avoir une pensée pieuse pour tous ceux-là qui sont au combat pour défendre l'intégrité du territoire national. Alors, merci monsieur. Je propose qu'on prenne rapidement une petite transition et puis on se retrouve pour débattre du discours du chef de l'État. Voilà, transition. Alors, on a tous pu écouter mercredi dernier l'adresse du chef de l'État à la jeunesse avec des points forts, de grandes annonces. Denis Kouebo, quelle lecture vous faites-vous de ce discours présidentiel? Au risque de redire ce que nous avions dit en 2015, le discours du chef de l'État qui est écrit par des personnes qui se donnent souvent bonne conscience en fabriquant des chiffres, laisse penser qu'il n'est aux commandes de rien. Un ami me disait qu'il est certain que pour avoir le chiffre du chômage ou des emplois au Cameroun, le président demande à la douane combien de motos de taxi ont été importés. Et lorsque tout président de la République qu'il est, il vient nous dire le 10 février qu'un fonds de 102 milliards a été, triennal de 102 milliards a été mis en place, alors que le dit fonds n'a pas été mentionné dans le budget de l'État qui vient d'être voté, cela signifie que les mensonges prospèrent dans ce discours-là. Donc, je voulais dire que je ne crois pas que le chef d'État ait créé un fonds de 102 milliards, parce que ce n'est pas dans un discours qu'on crée le fonds après avoir voté le budget de l'État. Donc, de façon extraordinaire, peut-être qu'il y aura cet argent-là. J'ai entendu mon frère copanéliste parler de l'agriculture. Le chef d'État laisse penser aux Camerounais que tous ceux qui font des études de menuiserie, de maçonnerie, tous ceux qui font des études de chimie ou de biologie vont devenir des agriculteurs. Parce que le point d'ancrage de son discours, c'est qu'il faut que tout le monde retourne à la terre. Et pour répondre de la façon la plus humble possible au chef de l'État, il faut peut-être lui dire que la meilleure façon de montrer aux Camerounais que ce qu'il y a de mieux pour eux, c'est l'agriculture, c'est de faire que Brenda Bia ou Junior Bia, par exemple, viennent aussi prendre une parcelle. Moi, je parle d'autorité sur les questions d'agriculture parce que ça fait beaucoup d'années que je fais de l'agriculture. Hier encore, j'étais créé une plantation. Alors, lorsque vous voyez comment est-ce que les Camerounais se battent pour une petite parcelle d'un hectare,
Combien est-ce que des gens ont raté leur saison agricole parce qu'ils n'ont pas 2 kg de maïs pour planter? Vous comprenez que ce n'est pas décent pour un chef d'État de venir dire à la télévision que tout le monde doit retenir l'agriculture. L'agriculture, j'étais à la conférence de la BAD sur l'agriculture à Dakar l'année dernière, en novembre, et je dis octobre. L'agriculture, c'est un métier. L'agriculture, ce n'est pas un métier de rabattement. L'agriculture, ce n'est pas un métier pour ceux qui n'ont rien à faire. Ce n'est pas un métier pour ceux qui ont échoué dans d'autres domaines. L'agriculture, c'est l'agri-business. Vous faites de l'agriculture comme quelqu'un est commerçant sur le marché. Vous faites de l'agriculture comme quelqu'un est journaliste. Donc, on ne peut pas dire que c'est le métier où tout le monde doit se rabattre. Tout le monde doit se rabattre en agriculture. Il faut organiser le secteur pour qu'il devienne un secteur productif parce qu'il ne sert à rien d'abandonner l'usine de montage du tracteur dans la broussaille. Il ne sert à rien de savoir que le Cameroun, qui est un pays essentiellement agricole, ne fabrique ni la machette ni la houe, parce que les machettes et les houes qu'on vend au Cameroun, les bonnes, viennent de Côte d'Ivoire ou de Londres, je l'ai déjà dit à d'autres occasions. Non. Si un pays ne fabrique pas la houe, ne fabrique pas la machette et fait en sorte que des milliards disparaissent dans la broussaille parce qu'on a inventé une fausse usine de fabrication de tracteurs, il faut que on arrête d'instrumentaliser la jeunesse parce qu'elle peut réagir autrement que par le silence qui a toujours été entendu jusqu'ici. Alors, Achille Assemba, beaucoup d'acteurs de la classe politique en ont parlé comme un discours pré-campagne à l'intention de ces électeurs que sont les jeunes. Quel est votre avis sur la question? Déjà, pour vous reprendre, je dirais que le 10, j'ai été fortement déçu. Et j'ai d'autant été plus déçu que je me disais que le président de la République pouvait saisir cette occasion en s'adressant à la jeunesse camerounaise qui représente du frange important de notre population pour déclarer, pour frapper un grand coup, à savoir déclarer qu'il ne se représentera pas aux élections présidentielles de 2018. J'ai été fortement déçu et à la fin de ce discours, je pense qu'on a retenu des mots et des belles phrases parce que le chef de l'État ne peut pas être suffisamment évasif. On parle de 3 centres de formation. Un président de la République, je crois qu'il a quand même des collaborateurs qui peuvent parler des choses concrètes avec des chiffres à l'appui. On parle d'une dotation de 102 milliards. Je dirais une dotation de plus. Ça fait longtemps qu'on parle des programmes, qu'on superpose les programmes. Est-ce qu'un jour, on les a évalués, ces programmes? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Venons-en aux promesses. Je crois dans le discours, je ne sais pas si c'est le précédent ou... 2014 ou 2015, je ne sais plus trop, le président parlait de la mise sur pied d'une académie de football. Je vous pose la question. Peut-être son représentant sur le plateau pourra nous répondre tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est ? Il n'est pas mandaté par le chef de l'État. Non, j'ai dit peut-être. C'est pas pour l'en vouloir. Il porte quand même l'effigie du président. Je me dis qu'il le connaît mieux que moi. Il est proche de lui. Certaines choses qui nous échappent, il peut nous rafraîchir la mémoire. Donc je dis, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir où en est-on avec le projet de l'Académie de football qui devait être créé? Je crois que si le président de la République décide de s'adresser à la jeunesse, on ne lui demande pas de promettre ce qu'il ne peut pas faire. Au moins, il a la lourde responsabilité de respecter cette jeunesse en réalisant les promesses. Et je vais vous dire, les jeunes, à un moment donné, en ont marre. Parce que trop de discours, finalement, aucune action concrète, les gens commencent à se lasser. On parle d'agriculture. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'aller dans un secteur qui peut le nourrir. Il suffit de créer les conditions. Si un jeune, à partir d'un programme qui a été mis sur pied par le gouvernement, c'est-à-dire créer les moyens de faire cette agriculture en trouvant de l'espace, des facilitations. Et Denis disait tout à l'heure, moi j'ai essayé. Je suis allé dans le village de mon papa, j'ai demandé qu'on me trouve un peu d'espace. J'ai mis 100 rejetons de plantain il y a quelques mois. Mais vous ne pouvez pas connaître les difficultés que j'ai rencontrées. Les soeurs de mon papa qui cultivent ce terrain pensent que je viens le bousculer alors que toi tu es déjà bien en ville, tu viens faire quoi encore ici? Alors que si il y avait un plan, une espèce d'organisation qui créait les conditions. Il n'est pas question de donner de l'argent aux jeunes, parce qu'on sait comment ça va se passer. Les fonctionnaires vont rapidement appeler un cousin, une petite amie, leur distribuer cet argent pour recevoir des rétro-commissions. Non, il est question d'un accompagnement qui peut être en termes de formation. Vous ne vous levez pas un bon matin et vous créez une plantation. L'espace, il est où? Est-ce que la formation, vous l'avez? L'accompagnement peut être en termes d'engrais, de semences. Et puis,
un technicien pour suivre ces jeunes. Parce qu'il ne va pas planter, je ne sais pas moi, un rejeton de banane plantain et deux jours après récolter. Il y a une période à vide. Et pendant cette période, il faut qu'il mange, il faut que son enfant aille à l'école, il faut qu'il se soigne. Donc, il ne s'agit pas de déclarer un matin que les jeunes aillent à l'agriculture. Il faut mettre sur pied un programme qui accompagne tout cela. Alors, Cyril Bogico de Radio Balafon nous a rejoint. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, en tant que jeune patron de médias qui emploie également des jeunes, quelle analyse avez-vous faite du discours du chef de l'État le 10 février? Pour moi, c'est un excellent discours. Je crois que c'est son meilleur discours depuis celui de 2010, où il avait donné un geste d'audace aux jeunes. Malheureusement, des discours pareils n'aident pas le chef de l'État. Je ne suis pas un biaïste, mais je suis un républicain. Je pense que le chef est dans sa fonction de délivrer un message à sa nation et à ses franges de population. Il est dans son rôle le plus absolu. Mais les discours pareils, justement, c'est les discours qui incitent la rébellion intellectuelle. C'est-à-dire, on devient refractaire et dès qu'on voit Biya à la télé, on fait vite de zapper, on va regarder les clips. Oh, mais qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Le chef de l'État a été clair. Il n'a dit que ce que nous disons tous les jours. On dit que à la lieu où vont les choses, c'est Biya qui viendra finalement être le repétiteur de nos enfants ou le maître de l'école de nos enfants. Les gens ont fui leurs responsabilités et si vous prenez les textes réglementaires du Cameroun, c'est quoi la fonction présidentielle? Quel est le rôle d'un chef d'État? Avant de commencer à critiquer le discours du président, demandez-vous si lui ou non est dans son rôle. Il est totalement dans son rôle. Et s'il est une chose, moi je ne suis pas les fichiers du président de la République, je suis un citoyen camerounais. Et en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas eu besoin de Paul Biya pour démarrer mon affaire. Et quand je l'ai démarré, on m'a dit que, mais avec 24 radios, tu ne vas pas t'en sortir. Mais radio, aujourd'hui, elle a un succès. Parce que j'y ai mis toute ma foi et je suis du domaine et je me suis entouré des expertises. Je ne suis pas allé demander au ministère qu'on m'aide. Je suis allé demander aux aînés de m'aider. Et aujourd'hui, alors à partir de là, je comprends que, mais il est possible de se réaliser dans ce pays, indépendamment du chef de l'État. Biya ne me volera pas mon destin. Il n'est pas un voleur de destin. Les gens s'asseyent là, ils attendent que Biya vienne donner du travail à chaque Camerounais. Je vous dis, les parcelles de terre, il y en a. Voyagez à l'intérieur de ce pays. Faites la route qui part de Yaoundé pour Abomba. Regardez toutes les terres qui ne sont pas occupées. Faites la route du Nord-Ouest, les terres qui ne sont pas occupées. Aujourd'hui, Denis Kouébo le disait encore sur ce plateau, j'étais invité avec lui, il nous sortait des chiffres qui donnaient du tournis. La somme d'argent que ce pays, le Cameroun, défend pour importer de la nourriture. Pourtant, le Cameroun a l'une des meilleures terres les plus fertiles du monde. Pourquoi aujourd'hui les Camerounais ne peuvent pas exploiter ce qu'ils ont, le don que Dieu leur a donné? Le Cameroun est arrosé d'eau. On a des terres arides partout. On n'a pas besoin de la gymnastique des Tchadiens, qui importent moins que nous. Pour cultiver nos terres, on peut cultiver au Cameroun toutes sortes de produits, toutes sortes d'aliments, toutes sortes de plantes. Alors, les jeunes sont en ville dans l'oisiveté. Tous veulent faire du bel-tikin avec ce que cela comporte comme conséquence des ordres humains et autres. Quand on dit que pour résoudre un problème de désœuvrage des jeunes, certains jeunes peuvent déjà aller se remettre à ce que nous avons de naturel. Les terres sont là, elles sont vides, elles sont remplies de sissongo et de fleurs jalousies. Elles sont remplies de broussailles, elles n'ont pas le temps à élever les serpents et tout le reste. Les terres sont là. Il faut retourner à la terre. Je connais aujourd'hui un artiste camerounais qui est parti de New York. Je parle d'Emile Kojin de Zangalewa, qui s'est exilé à un moment donné à New York, croyant qu'il trouverait la bonne vie là-bas. Et il s'est résolu à rentrer. Et quand vous allez dans son village, dans les Ménois, ce monsieur est devenu un grand propriétaire de vastes plantations. Un ancien militaire, il est retourné à la terre. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je n'ai rien envie à un gouverneur ou à un préfet. Je suis bien et il est riche, il a beaucoup d'argent. Ça, il faut le dire. Il est rentré à la terre. On a des exemples comme ça. La plupart de nos grands qui nous gouvernent là ont des plantations, ont des hectares. Donc, quand on dit aux jeunes que, ok, en attendant que le Cameroun amorce son industrialisation véritable, relance son économie et l'investissement des secteurs qui peuvent être porteurs dans l'avenir, comme l'économie numérique, il y a déjà quelque chose qu'on peut exploiter. Pour ne pas, parce qu'il faut comprendre le discours de l'État. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas trop explicite. C'est que les jeunes qui retournent à la terre, ça va d'abord résoudre un problème de désœuvrage des jeunes. Ils vont cultiver et nous allons importer moins. Ça, c'est une chose. Et on va résoudre le problème. Nous dépensons beaucoup d'argent pour nous alimenter. Et si on avait beaucoup d'agriculteurs qui importaient, n'oubliez pas que le Cameroun exploite beaucoup de nourriture au Gabon, en Guinée équatoriale. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le chef de l'État.
Alors, les gens tendraient à ce qu'ils disent, bon, ok, je donnerai 1 million de francs à chaque jeune qui viendra dès demain matin à la permanence du parti RDPC, et que ça ne va rien résoudre ton problème. Ça, c'est déjà d'un. Donc, pour moi, il était totalement dans son rôle. Et s'il était compris, ce monsieur, on n'en serait pas là aujourd'hui. On a l'impression que chaque année dit la même chose, mais chaque année nous rappelle ce qu'il dit d'habitude, et bien, les choses n'avancent pas. Ça, c'est d'un. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est l'implémentation du discours du président dans la tête des Camerounais. Et à ce moment, moi, j'estime que les médias ne font pas suffisamment leur travail. Nous sommes les relais des intentions du chef qui gouverne ce pays. Jusqu'à présent, c'est lui le chef, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il est le chef de ce pays. Qu'est-ce que les médias ont fait? Est-ce qu'on organisait des plateaux, comme les crises à l'Africa Foot, on organisait des plateaux spéciaux pour discuter de qui sera président, de pourquoi tel n'est pas candidat, pourquoi tel sera candidat. On a fait des émissions spéciales partout, ça n'apporte rien à ce pays. Mais est-ce qu'on a fait des débats sur les plateaux de télévision avec des ingénieurs agronomes? Je connais en ce moment une structure, je ne parle pas de l'on, pour pas le faire de la publicité, qui accompagne ceux qui veulent se lancer à la terre. Avec 500 000 francs CFA, Yabassi, ils vous donnent un espace et ils vous permettent de cultiver 1000 têtes de pastèque qui vous rapportent 2 millions de francs tous les 2 mois. C'est vérifié, ça existe. Ce sont des ingénieurs agronomes qui sont mis ensemble. Mais est-ce qu'on a fait assez de publicité autour de ces structures? Il y en a comme ça un peu partout dans le Cameroun. Les gens sont là silencieusement, ils se font une fortune dans la terre. Les gens sont en ville, ils attendent que Biya vienne donner le travail à tous les Camerounais. Et lorsqu'ils partent de la terre, on dit que c'est impossible. Mais si Biya dit les avions, on dit que c'est impossible. Même la terre, c'est impossible. On a tellement de terre dans ce pays. Moi, je dis que c'est possible. Dernière chose, moi, en ce moment, je vous parle. Je me suis lancé dans l'élevage, par exemple. Vous comprenez? Moi, j'ai acquis une portion de terrain. Et le chef m'a dit, le soudain m'a dit, ok, comme tu ne peux pas payer tout l'argent, tu vas me payer sur 5 ans. Ok? Démarre d'abord ton activité, ainsi de suite. Mais autour de moi, vous allez voir qu'il y a 3 ou 4 fermes. Hein? Je parle de Ngombe, à 10 km d'ici, toujours dans la région du Nord, au département du Vouri. C'est possible. Les gens ne veulent pas oser. On est là, on paresse. On attend que Biya vienne sortir les cabinets du chômage. Et une dernière chose. Je pense quand même que si nous avions des plateaux spécialisés où on dit, ok, par rapport à tel aspect de la question, Paul Biya a parlé de l'agriculture, et on fait venir les experts en agroéconomie, en agriculture, pour qu'ils disent, est-ce que cela est faisable? Je pense que le discours serait différent sur ce plateau. Vous comprenez? Mais il est plus facile de s'asseoir et dire que ben, il a dit ça n'a pas eu d'effet. Mais c'est nous qui faisons croire aux gens que, pour moi, véritablement, c'était un discours qui demandait aux jeunes de passer à l'action. Ce que ceux qui ont compris le comprennent. Un discours qui demandait aux jeunes d'oser, d'innover. Alors, Élise, en 2015, le chef de l'État promettait la création de 35 000 nouveaux emplois. D'ailleurs, il a dit que le bilan aurait dû être établi le 10 février 2016. Oubli volontaire, le fait qu'il n'en ait pas parlé? Ce n'est pas un oubli volontaire. Ce n'est pas au chef de l'État de faire le bilan des 35 000 emplois qu'il a créé et qu'il l'a même créé. Encore qu'il avait promis. Il a promis, il a fait. Il a dit, dit en 2016, à la même période, nous ferons le bilan. Le bilan, ce n'est pas Paul Biya qui vient à la télé faire le bilan. Moi, en tant que citoyen jeune, j'ai fait le bilan. La fonction publique en a recruté. L'industrialisation du pays, qui est en marche, avec les chantiers, on en a recruté. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que les aînés que je vois sur le plateau, qui sont en face de moi, sont dangereux. Parce que le chef de l'État a dit dans son discours, quand on veut implémenter quelque chose, que les aînés aident les jeunes à comprendre. Les hommes de médias sont ceux-là qui doivent faire de l'investigation et aller vers ces programmes-là pour savoir si c'est papa ou vrai. Ce n'est pas pour lui de revenir à la télé dire le PACA, projet d'amélioration de la compétitivité agricole, ce n'est pas effectif. Ce n'est pas pour lui de venir dire le FIDA, Fonds international de développement agricole, ce n'est pas effectif. Ce n'est pas à lui. Programme d'insertion des jeunes acteurs dans l'agriculture, ce n'est pas à lui. C'est qui aux médias? Il a fait. C'est le rôle des médias. Mais est-ce que vous pensez que les médias ne le font pas suffisamment? Ils ne le font pas assez, puisque chacun dans son rôle. Ceux qui sont du côté gauche sont ceux qui veulent, ceux qui sont du côté droit. Ce que je voudrais dire, c'est que je me réjouis d'avoir en face de moi un élu du SDF, dont le chairman est un grand agriculteur. Et le chairman, je vais vous le dire aujourd'hui, en a bénéficié d'une pension de l'État pour faire de l'agriculture. Donc il ne faudrait pas que eux, Paul Biya, qui est un agriculteur, ni Jean Foudjou, qui est un agriculteur, aujourd'hui, nous devons les imiter. C'est ce que le chef de l'État a demandé. Je tiens à vous dire qu'en début de semaine pour le passé, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Pêches et des Industries Animales, à travers le ministère du Développement Agricole et Rural, en a distribué 33 milliards de francs CFA aux jeunes qui veulent s'investir dans l'agriculture. C'est faisable. Il y a un fonds qu'on appelle le fonds d'insertion des jeunes agriculteurs. Vous faites un dossier, vous déposez, on l'étudie, on vous donne 5 hectares de terrain, et dit gratuitement, 5 hectares de terrain pour travailler. La récolte vous revient. Et si pendant 2 ans, vous êtes dans cette performance, l'année d'après, la 3e année, on vous offre 15 hectares de terrain, plus une villa construite dessus.
Mais est-ce que savez-vous que depuis 7 mois que ce programme est en jour, aucun jeune n'a postulé? Mais nous sommes tous en ville, nous travaillons dans les entreprises, et ce que nous voulons là en Europe. Voilà le discours au fond du chef de l'État. C'est ce discours-là. Que les jeunes ne pensent pas qu'il faut seulement être dans les bureaux. Moi, je travaille en ville, mais j'ai aussi envie de m'intéresser à l'agriculture désormais. Et c'est ouvrable, c'est fait. Je vous dis, on ne va pas attendre que celui que je veux qui soit au pouvoir, quand il passe là où c'est vrai. Non. Il s'agit de développer ce pays pour bien Anna donner l'idée générale que ceux qui sont dans le gouvernement implémentent et que nous, les acteurs bénéficiaires, qu'on aille vers ces programmes et en tirer profit. Alors Joseph, contradiction ou pas contradiction, quand Paul Biya reconnaît la difficulté à créer des emplois décents, après avoir affirmé le 31 décembre 2015 avoir créé 37 660 emplois. Alors est-ce que ces emplois-là, il le reconnaît, est-ce que ces emplois-là ne sont pas décents? Bon, il n'y a pas de contradiction en tant que telle. En fait, le chef de l'État, dans son discours, je vais dire, interpelle la jeunesse. Il présente des opportunités. L'agriculture, l'économie numérique, il parle du patriotisme jeune, patriotisme économique. En réalité, il n'y a pas de contradiction, comme le disaient les précédents orateurs tout à l'heure. Le chef de l'État est dans son rôle de fixer le cap. Alors quand ce cap est fixé, il revient au démembrement de l'État, chacun dans son rôle de mettre en œuvre, d'implémenter, tant dans le gouvernement que dans la société civile, dans toutes les autres organisations, les entreprises et tous les démembrements de l'État. Donc il ne revient pas au chef de l'État, après avoir fixé le cap, de venir encore implémenter sur le terrain. Non. Et puis le chef de l'État ne demande pas à tous les Camerounais d'aller vers l'agriculture. Ça, c'est faux. Ce n'est même pas réaliste. Tout le monde ne peut pas faire de l'agriculture. Chacun doit faire ce qu'il peut faire, mais il y a une opportunité qui se présente, c'est l'agriculture, où tout le monde peut trouver un compte. Mais j'ai dit, tous les Camerounais ne peuvent pas devenir des agriculteurs. Ce n'est pas faisable techniquement. C'est une interpellation à la jeunesse pour ouvrir un pan sur cette agriculture qui va s'industrialiser, dire à la jeunesse, vous pouvez y aller, c'est une source d'opportunité. Mais j'ai dit, tout le monde ne sera pas agriculteur. Les bureaucrates seront bureaucrates, certains feront les deux, d'autres seront des vendeurs, chacun a son métier. Et si vous suivez bien dans son discours, il le précise quelque part. Le médecin à l'hôpital, l'artisan, il le précise. Chacun doit jouer son rôle. Mais il y a une opportunité qui se présente, c'est l'agriculture, parce que l'État consent mettre des moyens dans le développement de cette agriculture et il faut saisir cette opportunité. C'est ce sens-là qu'il faut donner à ces messages. Donc, de manière globale, le message du chef de l'État, je dirais, c'est la sagesse qui parle. Il fixe le cap et il revient au démembrement de l'État d'implémenter. Donc, c'est comme ça. Une petite chose, avant que le chef de l'État n'évoque justement cet aspect agricole dans lequel il envoie les jeunes, il a bien précisé qu'il faut procéder à une révolution de mentalité. Ça veut dire que nous avons des croyances reçues, des perceptions qui sont complètement erronées et qui sont aujourd'hui un véritable handicap pour l'emploi jeune. Et si déjà dans nos têtes, on ne change pas ces perceptions de que un agriculteur est quelqu'un qui a son rôle social à jouer, on croira toujours que lorsque quelqu'un vit au village, c'est qu'il a échoué. Lorsqu'il retourne au village, c'est qu'il a raté sa vie. Mais lorsqu'il retourne au village, c'est pour nourrir l'humanité, les populations, et ça donne de l'argent. Et le chef de l'État est bien placé pour savoir que c'est un secteur qui est porteur. Alors j'aimerais à présent qu'on parle du plan triennal spécial jeune, la grande annonce de ce discours, doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Vous, Denis Kouebo, vous qui êtes également journaliste, qu'est-ce que vous pensez de ce plan triennal? C'est une grande annonce, c'est une bonne nouvelle. Bon, je veux dire à l'intention de ceux qui regardent ce débat que le président de la République, ou du moins tous ceux qui le soutiennent et lui donnent des conseils, sont volontairement sourds et muets. Ils sont même volontairement aveugles parce que, vous voyez qu'on parle d'agriculture, étant agriculteur, je suis né dans une plantation. Ma mère est revenue du champ pour m'accoucher. Donc avec beaucoup d'autorité, on peut en parler. Si on veut parler comme ceux qui sont partis à l'école, quand on parle de production, on parle de facteurs de production, on parle de coûts de production, il y a un certain nombre de choses. Je parle comme tous ceux qui partent au champ le matin peuvent comprendre. Et je vous donne les bases de l'agriculture. Pour faire de l'agriculture, il faut avoir une terre agricole, une terre qui est arable. Pour faire de l'agriculture, il vous faut au moins la fumure, l'engrais.
pour faire l'agriculture que le président de la République, la forme d'agriculture qui était la forme de base, il vous faut une machette. J'ai dit ici avec eux qu'il n'y a pas une machette fabriquée ici au Cameroun qu'on peut utiliser pour défricher les champs. On ne peut pas couper un arbre avec... Vous savez, je viens. Qu'il n'y a pas de machette faite au Cameroun, non, je ne veux pas faire de l'agriculture. Non, je ne veux pas. C'est pas pour que tu... Il ne faut pas avoir peur que je le dise. Je dis que tout le monde peut vérifier. Si vous voulez une machette qui coûte 5000 francs, elle est fabriquée en Côte d'Ivoire ou en Angleterre. Si vous voulez une machette qui est fabriquée au Cameroun, c'est 800 francs ou 1000 francs sur le marché. Ça veut dire quelque chose. Si vous voulez là où... Si vous voulez avoir une parcelle de plus de 2 hectares sur du maïs, sur autre chose, vous devez avoir un tracteur, une petite machine agricole. Il y a le petit outillage agricole qu'on doit avoir. Et Cyril disait que le président de la République parle comme... en fait, il se met à la place des anciens. Et je suis aussi d'accord là-dessus, parce que je suis sûr que lui-même, il se surprend en train de dire ce qu'il dit. Parce que si ceux qui sont chargés de faire du travail au Cameroun, ceux qu'on appelle les fonctionnaires, avaient une petite idée de ce que c'est que l'agriculture, le président ne parlerait plus comme ça. C'est que on en vient, notre pays est essentiellement agricole. C'est-à-dire, à son indépendance, en 1960, on ne faisait que l'agriculture. Ça devait vous surprendre que plus près de 60 ans après l'indépendance, le discours soit que les gens fassent l'agriculture, alors que c'est ce qu'on avait toujours fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas accompagné les agriculteurs. C'est là tout le problème. Il y a de nombreux projets pour accompagner les agriculteurs au Cameroun. Je suis planteur sur plus de 6 hectares. Venez, monsieur, écoutez. J'ai dit que si vous pouvez revenir dimanche prochain avec moi sur le plateau, je vous mets au défi. Vous sortez avec moi demain matin, demain lundi. Vous me conduisez à un de ces programmes parce que je veux qu'on m'accompagne. Vous me conduisez. Oui. Si on ne m'accompagne pas, on revient sur ce plateau dimanche. Vous allez dire... Je viens. Donc, après... Donc, j'ai dit qu'on a pris. Que vous reviendrez dimanche, je ne sais pas. Écoutez, je suis là tous les dimanches. Okay. J'ai dit qu'on a pris grand rendez-vous pour que vous veniez expliquer où se trouvent les programmes. Il y a ici, moi, je travaille avec des coopératives. Enfin, je ne parle pas seulement de plan, je dis que je travaille sur l'agriculture. Je travaille avec des coopératives. Je me suis retrouvé avec tout le gratin des décideurs en matière agricole tout récemment à la conférence de la BAD qui veut mettre 350 milliards de francs CFA à la disposition de femmes pour l'agriculture. Et dans cette, au forum, à la salle de conférence internationale de Dakar, il n'y avait aucun Camerounais. On était avec tous les autres ministres de la sous-région, il n'y avait aucun ministre camerounais. Il n'y avait aucun représentant officiel du gouvernement camerounais à cet endroit, alors que nous sommes, on est censé être la locomotive de l'Afrique en matière agricole. C'est ce qu'on dit, donc. C'est la faute à Paul Biya. Je ne suis pas intéressé par Paulien parce que je ne suis pas... Denis Kouébossu, la question du plan. Denis Kouébossu, la question. Oui, vous dites que le président va mettre sur pied. Il dit qu'il annonce un programme triennal de 102 milliards. Quand on est en République, quand on connaît un peu les rouages de fonctionnement de l'État, les rouages financiers, parce que nous ne sommes pas tous bêtes, à moins qu'on pense en face que nous sommes tous bêtes, je dis que le président pense que les jeunes sont bêtes, on dit comment est-ce que... Le fonds ne se crée pas dans le discours. Le fonds se matérialise. Si le fonds avait été pensé avant, ça veut dire que dans le budget, c'est un budget programme désormais. C'est un fonds spécial. Je viens. Amen. Vous connaissez combien de fonds spéciaux étaient dans ce... Est-ce que la question devrait être la provenance des fonds? Le fonds spécial a été mis... Denis Kouébo, parce que vous ne comprenez pas grand-chose. C'est vous qui ne comprenez pas. Denis Kouébo, est-ce que la question devrait être la provenance des fonds ou bien ce à quoi les fonds vont servir? Denis Kouébo, est-ce que la question aujourd'hui devrait être la provenance de ces fonds ou alors ce à quoi ils vont servir pour le bien-être des jeunes? Quand vous êtes matérialiste, madame, et quand vous avez étudié un peu d'histoire, lorsqu'un homme politique parle, vous allez dans l'histoire. On vous parle de quelqu'un qui est un spécialiste du discours passé depuis au moins 34 ans, il ne fait que des discours. Qui? Monsieur Biya, qui est votre président? C'est pas votre président. Il dit qui est votre président pour la nationale de votre parti. Il y a un copaniste qui vous a dit que l'année dernière, le président a annoncé une académie de foot. Oui. Et l'académie, c'est où? Le président a annoncé des tracteurs agricoles pour tout le monde. Okay. Vous savez où se trouvent les tracteurs? Je ne sais pas. Donc, vous voulez que je devienne bête comme tous ceux qui croient à un pouvoir qui promet et qui ne réalise pas. Vous n'y croyez pas. J'aurais bien voulu croire, mais quand on rentre dans l'histoire, on ne peut pas être fou au point de croire à ce que Biya dit. Achille Azemba, sur la même question. Oui, moi, je voudrais dire quelque chose. Je crois que, en tant que jeune, nous avons la responsabilité de faire les choses autrement.
Je ne suis pas venu sur ce plateau pour faire de la flagornerie. Je ne déteste pas le président de la République en tant que personne BIA. Je déteste l'homme qui occupe une fonction. Et en tant que citoyen, j'ai mon avis à donner. N'en déplaise à ceux qui veulent passer pour être le défenseur du président, parce que dès qu'on fait allusion au président, on a l'impression qu'on lui veut du mal. Moi, je dis, nous avons la lourde responsabilité de regarder les choses en face et de les analyser. Chacun de nous veut le développement de ce pays. Et ce que nous sommes en train de faire autour de ce plateau, pour certains copanélistes, c'est ce qui nous a amenés dans l'abîme. On nous donne l'impression que la fonction présidentielle au Cameroun a des spécificités que d'autres pays ne connaissent pas. Mais quand vous êtes un chef, vous avez un domicile, vous êtes le patron de la maison. Un enfant rentre à 2 heures, vous ne pouvez pas lui demander où est-ce qu'il était. Après, on va dire que non, moi je lui avais dit, vous devez être à 20 heures à la maison. Mais s'il ne rentre pas à 20 heures à la maison, vous dites que non, c'est pas à moi, c'est à leur maman de surveiller. Non, je crois que le président de la République, c'est le chef qui fixe le cap. Et quand vous n'êtes pas en mesure de suivre le cap, on vous met de côté. Le problème au Cameroun, c'est qu'on a l'impression que les gens sont assis et c'est leur place. La preuve, dès que vous faites allusion au président, les gens se mettent à trembler. De quoi est-ce que vous avez peur? Sur la question, Achille. Non, sur la question de l'agriculture. Non, du plan triennal spécial jeune. Du plan triennal. Moi, je trouve que c'est un plan de plus. On nous parle des programmes. On superpose les programmes. Est-ce que ces programmes sont évalués? Nous voudrons voir. Dites-nous qu'à tel niveau, voilà un programme qui a fait... Parce que vous n'avez même pas besoin de pousser un jeune vers l'agriculture. Quand un jeune voit un autre qui a réussi dans un domaine, il cherche à l'imiter. Vous n'avez pas besoin de pousser un jeune vers l'agriculture. Si je regarde Cyril, qui fait bien de la radio, j'ai envie de le ressembler. Je dis, comment est-ce qu'il a fait? Je cherche à le faire. On n'a pas besoin de me dire, fais la radio comme Cyril. Je suis désolé. Donc, tout le discours qu'on fait là, on essaye de penser qu'on est en train de... Je vais la parole à mon ami, mais que le président lui-même a déjà dit que le président lui-même a reconnu la responsabilité d'un ensemble de collaborateurs dans ce que nous dénonçons. C'est-à-dire qu'il n'a pas le passé, il a dit. C'est parce que les gens, je vous dis que c'est parce que les gens pensent que la seule chose qu'ils peuvent faire pour le président, c'est de faire semblant de le soutenir, que ça ne marche pas. Sinon, si les programmes qui existent aujourd'hui fonctionner comme il se doit. Et si, il n'y a pas d'autre pays avec ce programme-là. J'ai rencontré le ministre gabonais de l'Agriculture qui dit, mais avec ce que le Cameroun fait, nous, on serait loin. Avec les programmes qui existent, si ce n'était pas de l'argent de poche de certaines personnes, il a parlé de patriotisme. Donc si les gens aimaient leur pays, il y a trop d'argent, chers amis. Il y a eu un programme d'exercice de plus de 400 milliards. On parle de 102 milliards. 400 milliards et cet argent-là. On reviendra. On reviendra. Non, je voulais dire juste quelque chose. On reviendra. C'est là tout le problème du pays. Cyril est un jeune, il est patron de radio. Qui a la responsabilité de Radio Balafon? C'est pas le directeur général? Si. Alors, il viendra s'excuser parce qu'on a passé une fausse information à l'antenne. Il dit que non, c'est pas moi, j'étais pas là. C'est vous le responsable, Cyril. Vous assumez les actes qui sont posés. Et si vous ne pouvez pas, vous passez le témoin. Je crois que la présidente de la République, c'est une haute fonction. On parle de la magistrature suprême. Oui. Vous n'allez pas nous dire maintenant que, une fois que quelqu'un est élu, entre guillemets, et que bon, maintenant, c'est les autres qui doivent faire le travail à sa place. C'est lui qui fixe le cap et il doit le suivre. D'accord. Alors, Cyril Boshiko, quel capital confiance est-ce qu'on peut porter à ce plan triennal spécial jeune lorsqu'on sait que déjà, il y a un plan d'urgence qui a été mis sur pied en 2015 et jusqu'ici, on ne sait pas trop où on en est avec. Je me souviens qu'au Kenya, le président Uhuru Kenyatta avait justement annoncé un fonds spécial comme celui-là pour accompagner les jeunes dans un secteur précis. Et un mois après, les jeunes étudiants du pays ont fait une grève et ils ont pris d'assaut le ministère concerné pour dire le président a parlé, c'est où? Je pense que nous, on dédouane très facilement les fonctionnaires dans ce pays et on jette la propre sur le chef de l'État. C'est un homme qui a ses imperfections. Et je ne suis pas militant de sa politique, mais je lis dans ses discours des choses. Je visualise ses discours, en fait. C'est pas les mots qui m'intéressent. Quand il dit quelque chose, je vois. Connaissant bien mon pays et mon métier me permet, comme M. Kwebo, de faire le tour du pays et de toucher la réalité du doigt, d'être au contact des gens. Par rapport au fonds spécial des 102 milliards, le seul problème que je trouve à ce niveau-là, c'est que le président n'a pas dit quels sont les secteurs prioritaires. Parce que si le président avait dit « j'ai 102 milliards de francs CFA pour vous les jeunes sur 3 années », on va débloquer d'abord, je pense, 40 milliards pour cette première année.
Et voilà les secteurs dans lesquels nous sommes intéressés. On a 56% pour l'agriculture, 20% pour l'économie numérique et peut-être l'art et la culture, la cinématographie, qui est également une industrie génératrice de revenus, malheureusement. Le président n'a pas détaillé. Donc, ça reste vague. Et comme l'a dit le président des jeunes, les 102 milliards, c'est un fonds spécial. Ça n'est pas dans le budget. C'est un fonds spécial, on dit bien fonds spécial. Ça veut dire qu'il est là. On peut le trouver. De la même manière, il y a ce qu'on appelle une nomenclature administrative qui est en désuétude absolue. Le président lui-même a évoqué ces 25 000 jeunes qu'il a recrutés et qui ont déserté les bureaux, qui ont pris le matricule et qui sont partis. Et qui touchent quand même le salaire. Qui touchent le salaire à ce moment-là. Il a déploré cela. Donc, c'est un discours de force et de faiblesse. Pour une fois, donc une deuxième fois, parce qu'après celui de l'année, le 31 décembre, l'année surpassée, le président a reconnu beaucoup de dysfonctionnements. Il a posé les problèmes de la gestion de l'administration publique. Il a posé le problème de ces jeunes, oui, vous voulez du travail, mais quand on vous en donne, qu'est-ce que vous en faites? Et on connaît en ce moment tout le tam-tam qui a été fait autour de la réimmatriculation ou cette opération qu'on a lancée pour essayer d'identifier les gens qui ont déserté leur poste de travail, ils sont assez nombreux. Donc, pour les 102 milliards de francs CFA, je ne veux pas savoir d'où viendra l'argent. Le Cameroun a beaucoup d'argent. Si on peut financer une guerre, si on peut trouver des armes pour combattre Boko Haram, ça veut dire qu'on peut trouver l'argent pour donner le travail aux jeunes. Maintenant, les 102 milliards de francs CFA se repartissent comment? Monsieur le Président, c'est quoi les secteurs prioritaires? Vous voulez qu'on investisse dans quel secteur? Les jeunes ont beaucoup de projets, ils peuvent vous les apporter. Maintenant, quelle est la structure que vous avez mise en place pour pouvoir donc mettre en valeur cet vous argent? Vous avez bien les structures, Cyril. Oui, non, mais ça dépend. Ça, en fonction des secteurs, le FIDA ne va pas venir financer le secteur de l'audiovisuel, par exemple. Si nous avons des comédiens camerounais qui veulent s'entrer dans l'industrie cinématographique ou des arts et des spectacles, c'est également un secteur qui est porteur. Mais aussi, Monsieur le Président, est-ce qu'on a identifié au Cameroun les secteurs qui passionnent les jeunes? Parce que je connais quelques secteurs qui passionnent les jeunes, mais dans lesquels on ne parle jamais de financement. Est-ce que les 102 milliards de francs CFA, par exemple, pourrait intéresser un secteur, je ne sais pas, il a parlé de l'économie numérique, Android. Mais juste l'Android. Il y a un jeune Camerounais, Elon, qui veut se lancer dans les drones depuis longtemps. Il cherche le financement. Ce petit parcours, les hôtels du Cameroun ont organisé des réunions avec des hommes d'affaires pour essayer de collecter quelques milliers d'argent pour pouvoir fabriquer des drones au Cameroun. Et on sait très bien le rôle des drones. On ne peut pas aujourd'hui gouverner un monde moderne sans utiliser les drones. La cartographie, c'est avec les drones qu'on les fait. Hein? Donc l'armée utilise les drones, il y a des structures qui utilisent les drones, ainsi de suite. L'audiovisuel utilise les drones. Il veut faire la pluviométrie, la météo utilise les drones. Et on sait que quand on est malade de sa météo, on ne maîtrise plus la météo parce qu'on n'a pas les drones. Un enfant est à Dedo, un petit garçon de 24 ans, il dit je fabrique les drones. Il a quelques spécimens entre les mains. Il a quitté la France pour s'installer au Cameroun. Est-ce que ce secteur, cette nouvelle technologie sont concernées? Monsieur le Président, devons-nous nous dire que voilà comment cela est reparti. Et on espère que dans les jours à venir, les fonctionnaires qui sont autour de lui et ces gens en qui il fait confiance vont pouvoir dire bon, voilà comment cela a été reparti. Pour cette première année, on a 50 milliards de francs CFA, pour lesquels 20 milliards de francs CFA pour le secteur agricole, ainsi de suite. Et même, il peut dire ok, il y a des zones agricoles, prioritaires. Par exemple, ou alors les cultures prioritaires. Si vous voulez faire dans la pastèque, on a tel nombre de milliards. Si vous voulez faire dans la tomate, ainsi de suite. Donc, il faut que ce soit 102 milliards. Et justement, c'est là que je vais rejoindre mon ami d'en face qui dit, ça semble vague, c'est trop beau, c'est beaucoup, c'est trop beau pour être vrai. Mais si cela est convenablement reparti, en ce moment, moi, je saurais que, moi qui suis dans l'information et la communication, si M. Koebo et moi, on se met ensemble pour créer une agence de presse camerounaise pour vendre l'information du Cameroun à l'extérieur, ok, nous, on a 3 milliards de francs qui nous intéressent, on va monter un business plan, peut-être de 400 millions de francs CFA, pensant justement que, bon, il y a d'autres qui viendront, on ira déposer au ministère concerné. Est-ce que cet argent est reparti entre les ministères? Et une dernière chose, il y a l'Observatoire national de l'emploi jeune. Et sur ce plateau, je me souviens, il y a 2 années, on avait demandé, mais il faut qu'il y ait une structure qui identifie les secteurs dans lesquels les jeunes... Peut-être que l'agriculture n'intéresse pas les jeunes. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui le font plus pour payer leur retraite. C'est ceux qui sont à deux parts, qui rentrent dans la terre. Les jeunes sont portés vers d'autres secteurs qui les passionnent. Ce sont lesquels, Monsieur le Président, il faut les identifier. Donc, c'était un discours qui montrait le cap, mais également c'était un discours qui n'était pas la conséquence d'une étude préalablement menée sur qu'est-ce qui fait rêver nos enfants et qu'est-ce qu'on pourra leur dire qui correspond à leurs besoins. Élise, on sent la répartition dont parle Cyril Bougico, on comprend finalement pourquoi certaines personnes comme Denis ou bien Achille sont sceptiques. Non, bon, je ne vais pas entrer dans le scepticisme de mes compagnies en France, mais je voudrais dire que le plan spécial jeune est un des piliers du plan d'urgence triennal.
dans le plan d'urgence senior, vous avez le plan d'urgence routier, qui est effectif, avec une enveloppe de 138 milliards de francs CFA, où il faut désenclaver les bassins de production. Voyez la cohérence dans le discours du chef de l'État. C'est-à-dire, j'ai pas fini. Il faut, c'est-à-dire, 138 milliards de francs CFA, dont le ministre des Marchés publics, Baba Sadou, a lancé l'appel d'offres nationales et internationales. Il s'agit maintenant, priorité aux PME camerounaises d'aller postuler pour prendre cet argent et construire ces routes. Un. De deux, qu'on a donc les routes. Il faut donc que l'agriculteur jeune, qui est abonné pour pas. Parce que, parce que l'une des routes, c'est Douala, Bonifa, Yabassi. Il faudrait qu'il ait la facilité de conduire ses produits vers Douala. C'est ça. Deuxièmement, vous avez le plan d'urgence spécial jeune. 102 milliards de francs CFA. Le jeune qui veut donc s'intéresser à l'agriculture, le jeune qui veut donc s'intéresser à rentrer au village, parce que lui, il dit que les autorités fassent en sorte que le village ne soit plus ce lieu de rejet, mais que le gars soit content d'aller au village. Le fonds spécial n'est pas issu du budget de l'État. Ça, je ne voudrais pas essayer les cours d'économie, non. C'est un fonds spécial. Mais c'est l'argent du Cameroun. Vous essayez. Non, c'est pas l'argent de la France. C'est pour dire ça. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'aurait pas. Donc, on n'a pas besoin de budget. Non, le chef de l'État a un budget spécial qui a l'air à présent la plus séquence dans tous les pays du monde entier. Il peut débloquer à tout moment de l'argent pour ses concitoyens. Par exemple, Arthur Zan, qui a créé le premier cardiopathe. Il a eu 25 millions de dons spéciaux au chef de l'État. C'est votre argent aussi, mais ce chef de l'État a eu à encourager un jeune qui s'est lancé dans une innovation qui va aider les jeunes et tous les malades camerounais à avoir les consultations médicales avec un cardiologue qui se situe à 600 km. Si il a parlé d'un jeune qui fait des aérodromes, ça va suivre. On ne peut pas être au Cameroun et avoir la tête au ciel parce que celui qui est au pouvoir n'est pas du même bord que nous. Non, on reconnaît les dysfonctionnements, on reconnaît ce qui va et ce qui ne va pas. Moi, j'ai un seul problème. Et là, dernièrement, quand vous m'avez invité, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez dit c'est que quand tous les Camerounais sauront que ce pays nous appartient à nous tous, mais ne nous appartient pas aussi, comme pour dire que pendant que je vis au Cameroun, je dois servir au Cameroun et savoir que la jeune génération qui vient après moi doit aussi profiter de ce Cameroun, tout ira bien. Quand j'attends quelqu'un dire les jeunes sont patients, quand ils vont se fâcher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler quoi? Leur pays. Et on va retourner à Matusalem. Donc il faudrait qu'on ait des discours cohérents. Quand on vient sur le plateau, on nous sommes des éducateurs. On n'est pas là pour demander aux jeunes, je ne demande pas aux jeunes de suivre Biya. Parce que ce jour-là, en 2018, je sois à vous avant, vous irez seul dans votre une, vous donnez votre voix ou pas. Mais j'aimerais interpeller quand même Biya au niveau suprême. Et le chef suprême, comme l'a dit Monsieur le maire. Monsieur le maire est un élu à Vourissin. J'ai envie de lui demander, depuis qu'il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes à Vourissin. J'ai envie de lui demander cela. Donc, nous sommes pressés pour ça. Donc, occasion, on dit quand tu regardes à gauche, on regarde aussi à droite. C'est que je vais dire. Vous n'avez pas eu l'occasion de réagir sur cette question, Joseph. Si Cyril peut m'inviter, j'en parlerai. Tu sauras. Le plan triennal est créé par le chef de l'État. De notre côté, au ministère des Postes, nous nous sommes dit le discours avait un emprunt particulier sur l'économie numérique. Alors, si un fonds spécial je n'ai créé, et que le chef de l'État invite les jeunes à se tourner vers l'économie numérique, certainement ce fonds sera consacré en partie ou en priorité à l'économie numérique. Certainement. Et du coup, c'est peut-être une annonce, le ministre dépose dans les jours qui viennent, certainement en début de cette semaine qui va commencer dès demain, va mettre en place un forum de discussion jeunes en ligne pour permettre aux jeunes qui ont des projets innovants de les présenter. Il y aura des séances, des visioconférences. On va sélectionner un certain nombre de projets jeunes pour les accompagner et les encadrer. Donc, je pense que lorsque le chef de l'État annonce qu'il y a de l'argent, ce n'est pas le chef de l'État qui va repartir. C'est en fonction des projets qui existent qu'on va faire la répartition. Sinon, on donne ce montant en fonction de quoi? Le montant est là. Le chef de l'État a dit on va débloquer tel montant. Et il revient aux administrations de monter des projets ou de faire un appel à projets pour pouvoir encadrer les jeunes. Et le ministère des Postes et Télécommunications est rentré, après le tour par les cornes, et est rentré dans cette danse. Donc, dès la semaine prochaine, il y aura un forum de discussion jeunes en ligne. Il y aura des visioconférences en direct avec la ministre des Postes et Télécommunications pour soutenir les projets jeunes dans le secteur de l'économie numérique. Alors, j'ai même envie de vous demander, qu'est-ce que c'est finalement l'économie numérique, parce que ça allait d'être le nouveau concept à la mode le 31 décembre dernier, pour bien parler, ce 10 février encore. Qu'est-ce que c'est finalement? L'économie numérique, c'est un concept.
pour dire simple et être compréhensible, on peut dire que c'est la transformation de l'économie traditionnelle à travers les technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est pour faire simple. Mais le concept est plus complexe que cela. Alors, avant... Il est beaucoup, aujourd'hui, l'économie numérique est en train de développer beaucoup de pays. Hein. La plupart des pays émergents sont ceux qui ont su capitaliser l'économie numérique. Alors, vous allez voir, par exemple, en Inde aujourd'hui ou en Chine. Et c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. C'est très simple. Avec une connexion Internet, je peux créer mon entreprise. Je peux vendre mes services et mes idées. Je peux être un blogueur. Je m'assois, monsieur le maire peut-être a ses concepts politiques, et moi je crée mon blog, et j'ai à travers le monde entier 2 millions de francs, de 2 millions de fidèles, de personnes qui lisent mes posts, qui réagissent ainsi dessus, et je partage mes idées, je partage des points de vue, et je gagne de la publicité. C'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent, mais sur lequel le Cameroun n'a pas encore misé. Et je pense qu'on ne va pas se développer sans cela. Il y a plusieurs. Aujourd'hui, il y a les magasins en ligne qui ne vendent pas. Lorsqu'on parle de, Walmart, par exemple, aux États-Unis, c'est un magasin qui n'existe pas physiquement. Vous achetez en ligne, on vient vous livrer. Et ça emploie les coursiers, ça emploie les comptables, ça emploie beaucoup de gens. Donc c'est plus facile aujourd'hui de se mettre à son propre compte à travers Internet. L'économie numérique est formidable. Elle est source d'énormes richesses pour les pays qui l'adoptent. Denis Kovo, économie... Permets-moi de placer un mot, s'il oui, te plaît. Oui. Ce que tu expliques, c'est très beau. Mais il y a des prérequis pour en arriver on reviendra à vous. La question, je la pose d'ailleurs. La question des infrastructures. De l'Arcel. Parlait d'un certain nombre de kilomètres de câbles. On reviendra pour la distribution de la connexion au Cameroun. Oui. Tu l'as suivi. Oui, donc, ce que tu dis, il faut qu'on améliore le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun pour en arriver là. Donc, et ça, c'est du ressort de la politique de celui qui nous gouverne. Merci, monsieur le maire. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Denis Kovo, sur la question... C'est la réalité. Merci, monsieur le maire. Denis Kovo, sur la question des infrastructures au Cameroun en termes d'économie numérique, est-ce qu'on est prêt? Bon, le principal problème que nous on a, c'est que lorsque les gens ont sur notre pays une régie de détournement de deniers publics, pas des fonctionnaires, ils n'attendent que ça. C'est pour ça que le président parle de fonds spéciaux. Quand on voit déjà des fonds spéciaux, comme dans le domaine de la sécurité, on a eu à discuter ici, le président a créé plus de corps spéciaux, plus d'unités spéciales. Non, au Cameroun, les forces spéciales dépassent ce qu'il y a en Russie, ce qu'il y a aux États-Unis. Ça, c'est un pays où il y a tout ce qui est spécial au Cameroun. Et quand c'est spécial comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui a échoué. Nous parlons de l'économie numérique. Bien sûr, non, je viens. Le monsieur me disait que l'économie numérique, quand c'est dit qu'on ne profite pas suffisamment, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'économie numérique ne va pas venir tomber dans le vide. L'économie numérique profite de ce qui existe comme infrastructure. J'ai dans mon bureau une journaliste qui a un blog sur l'agriculture. Elle a des milliers de visiteurs, et dont pratiquement zéro visiteur camerounais. Je toujours faisais des comptes, c'est de l'Amérique du Sud, c'est de partout, c'est de loin qu'on regarde ce qu'il y a sur son blog, qui parle seulement d'agriculture. L'invité à des conférences partout à l'étranger, à cause du petit blog. Mais à l'intérieur de chez nous, les gens n'en profitent pas. Ailleurs, on peut... Quand je suis allé un jour aux États-Unis, quelqu'un me dit, « Ah non, retrouve-moi, je suis à la maison, je t'attends avec ma femme. » Je suis allé dire au taxi que je cours, je vais aller à Clermont. On tape, il me dit, c'est 160 km. Donc le taximan, en quelques minutes, il a vérifié l'adresse qu'il lui a donnée. Il a vu que c'est plus que Douala Nkonsamba. Si on était au Cameroun, peut-être que le taximan qui veut vous truander se mettra à... Il dit qu'on peut, avec le numérique, faire beaucoup de choses, mais il faut que ça existe, il faut que les cartes... Il faut qu'il y ait des cartes. Nos rues, là, ne sont pas nécessairement tracées. Donc, aujourd'hui, sur votre machine, sur votre téléphone portable, vous pouvez développer une entreprise qui fait que les taximens déposent les gens assez facilement. Mais il faut que les rues soient numérotées. Il ne faut pas que les rues soient créées par n'importe qui, n'importe comment, dans un quartier. Si vous voulez vendre sur Internet, il faut que on commence à codifier même les marchandises en rayon. Il faut suivant des structures pour ça. Je ne veux pas dire que c'est le pouvoir politique qui doit le faire, mais c'est la responsabilité du pouvoir politique d'organiser la société. Tout le monde est... Nous sommes au Cameroun, il y a un chef d'État, il y a un gouvernement, et c'est ce gouvernement-là qui organise un certain nombre de choses.
Parler du ministère de Postes et Communications, vous avez vu tout un débat tout récemment sur les affaires des 4G. Il y en a qui disent que c'est 2,5G, c'est 1,2G. On ne sait pas combien de G il y a ici, on ne sait pas si c'est demi-G. Quand vous êtes dans un pays, on vous dit. Et c'est pour ça que je dis que les. Je ne veux pas dire. Non, je dis que. Il y a une irresponsabilité. Le premier opérateur. Une irresponsabilité inacceptable des fonctionnaires dans ce pays. Dis-moi, c'est qui? Parce que s'il n'y avait pas une irresponsabilité inacceptable de la part des fonctionnaires, beaucoup de choses seraient en train de. Et c'est le plus grand drame de ce pays, c'est que la France ait laissé les NAM là, qui existent. Les NAM, vous avez dit que c'est qu'on a créé une société de transport d'électricité et c'est un administrateur, c'est un préfet qui va aller maintenant parler des questions de transfert de l'énergie électrique au Cameroun. Et avec les résultats qu'on connaît. Quand on vous dit le port est paralysé pourquoi? Parce qu'il y a un administrateur civil qui est au port, qui ne sait pas ce que c'est que draguer. Il dit non, on ne peut pas draguer, les bateaux vont passer. Parce qu'il y en a un administrateur civil maintenant pour parler des questions de logique. Quoi que si on avait. On a des ingénieurs. Si on avait suffisamment mis les techniciens à leur place, quand il parle de houe et de machette, qui doit inventer les petites machines agricoles pour faire la toison. Si vous voulez planter 3 hectares de plantain, vous allez faire 3300 trous. Et c'est les gens qui vont aller avec le daba creuser 3300 trous, alors qu'avec le petit moteur de Benskin, là, vous pouvez le sortir, mettre sur un petit système de compression, faire des trous et vous ferez les 3300 trous en une demi-heure. Mais où sont nos ingénieurs? Tous nos ingénieurs, les agronomes, ils sont au ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a de l'argent qui passe par là. Les ingénieurs qui sont dans les télécoms, vous n'allez pas apprendre que. On vous dit, toutes les sociétés de téléphonie mobile qui arrivent là, ce n'est pas nécessairement avec les produits de l'École nationale des postes que nous avons ici, c'est avec des gens qui viennent de je ne sais où. Parce que nos ingénieurs sont réfugiés dans les bureaux. Si ces ingénieurs-là pouvaient faire le travail d'ingénieur, s'habiller comme un ingénieur s'habille, entre guillemets, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et la responsabilité est celle du chef. Parce que le président Biya, comme Jean Biya parle comme s'il n'était pas concerné par l'échec. Il fait comme si. Non, il parle, mais lui, coupé dans votre élan tout à l'heure, vous parliez des prérequis avant d'arriver au développement de l'économie numérique. Je disais que j'étais d'accord avec ce que Cyril était en train d'expliquer, que c'est très beau. À partir de l'économie numérique, on peut faire beaucoup de choses, mais il faudrait qu'avant, qu'il y ait une préparation minutieuse, qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui sont prises pour asseoir cette économie numérique. Mais je dirais aussi que le Cameroun a un problème. On souffre d'un manque criard de repères. Je vais prendre deux cas. Le mine postel. Peut-être je vais interpeller l'Arcel. Voilà, dans un pays sérieux, parce que mon pays, je crois encore qu'il est sérieux, il y a deux opérateurs économiques qui se bagarrent. Chacun se réclame être le premier. Je n'aimerais pas qu'on rentre dans ce débat. Non, deux secondes, tu comprendrais aussi. Je n'aimerais pas qu'on rentre dans ce débat, messieurs. Ah, d'accord, donc je suis censuré alors. Sur cette question, oui. Ok, je passe à autre chose. Je voudrais dire aussi que quand il y a des repères, ça intéresse la jeunesse et la jeunesse s'identifie à ceux qui ont réussi. Regardez Etoufis. Quand il explose, vous passez dans la rue, chaque petit Camerounais qui tape au ballon a envie de devenir Etoufis. Quand vous regardez Cyril, comment il fait sa radio, parce que j'ai été quelquefois à Balafon, j'ai été reçu là-bas quelquefois, je vois comment il manage son équipe, je sens la responsabilité. Si j'étais un amoureux des médias, j'ai envie de le devenir comme lui. Mais quand, dans un pays, un jeune peut se permettre de dire, et peut-être je n'en veux pas, je comprends, pour des raisons X ou Y, qu'il dise, qu'il tienne un discours à la ancienne, nous avons la responsabilité en tant que jeunes de faire les choses autrement. On n'a rien contre le président de la République. Chacun souhaite que ce pays se développe et émerge. Et pour cela, il faut qu'il y ait un commandant à bord. Et je vous raconte une troisième anecdote, juste en quelques mots pour finir. On a l'impression qu'au Cameroun, le jeune doit s'asseoir ou on lui demande de s'asseoir. La preuve, moi-même. Quand j'arrive à la mairie, juste quand je grimpe les escaliers, avant d'ouvrir la porte de mon bureau, je trouve deux, trois personnes. Qu'est-ce que vous attendez? Ils disent qu'ils veulent voir le maire. Je dis, c'est pourquoi? On dit que non, c'est au maire qu'on va souligner notre problème. C'est quand j'ouvre la porte, Jean, il dit, excusez-nous, on ne savait pas que c'est. Donc les gens n'ont pas intégré que le jeune peut assumer des responsabilités, des hautes responsabilités. Regardez à l'étranger, le premier ministre grec, c'est à peine s'il a 40 ans.
Ouais. Manuel Valls. Belgique, mais pourquoi au Cameroun on ne pourrait pas lui, non. Nommé ou pas au moins. Il a été élu. J'ai vu au Parti travailliste, anglais, le congrès de ce parti est organisé par les jeunes. 20-22 ans. Comme aux États-Unis. Tout comme aux États-Unis. Vous voulez pas. Pourquoi au RDPC, vous essayez de justifier qu'on peut marcher avec les pieds en l'air? Non. Achille. Je voulais. Laissez-moi chuter. J'aimerais qu'on prenne. Sur la question. Si tu ramènes le débat. Je n'ai pas parlé. Achille, sur la question de l'économie numérique. Sur la question de l'économie numérique. Est-ce qu'on peut me laisser parler sur ce point? Oui, mais sur la question de l'économie numérique. Vous m'avez invité pour me laisser parler. Moi, non. Allez-y, Achille. Quand lui parle de l'âge, je ne parle pas de l'âge. Si on a un président qui a 200 ans et qui peut nous gouverner normalement, on a besoin d'eau, on a besoin de l'électricité, on a besoin de travail. Je suis entièrement d'accord. Sortons de ce carcan. Non, pourquoi vous cachez derrière vos doigts de l'eau à la Merci Achille. Elisa, alors sur la question de l'économie numérique, j'aimerais qu'on prenne l'avis de l'expert sur ce plateau. Est-ce que le Cameroun est prêt en termes d'infrastructure? En termes d'infrastructure, le Cameroun a fait une avancée significative. Beaucoup reste à faire, mais il y a une avancée significative. Je voudrais faire des précisions quand même concernant cette économie numérique. Le Cameroun fait déjà de l'économie numérique, parce qu'il y a deux volets. Volet contribution intrinsèque du secteur des télécommunications et TIC à l'économie nationale. Ça, nous le faisons. Les opérateurs contribuent. Il y a des taxes, des impôts. Ça fait partie de l'économie numérique. L'économie qui relève de ces secteurs des TIC. Alors, l'autre volet de l'économie numérique, celui des effets induits de la diffusion des technologies dans les branches d'activité. C'est là où nous avons pris un grand retard. Oui. Alors, sur ce côté, le chef de l'État a interpellé quatre types d'acteurs dans son discours. Le gouvernement, parce qu'il faut une infrastructure adéquate. Parce que si vous mettez votre code bancaire sur Internet, pendant que le moteur est en train de rechercher à transmettre, on perd du temps, quelqu'un peut retirer en clair et soutirer de l'argent dans votre compte. Donc il faut une infrastructure adaptée et adéquate, disponible. Et ça, le chef de l'État interpelle le gouvernement dans ce sens. Et le ministère des Postes poursuit et renforce sa politique de déploiement des infrastructures larges, dont la fibre optique, les points d'atterrissement, c'est des infrastructures qui permettent d'avoir du haut débit. Alors, la deuxième interpellation du chef de l'État, c'était les entreprises, publiques comme privées, qui doivent progressivement s'arrimer. Et là, c'est une interpellation pour chaque chef d'entreprise de le faire. Nous mettons l'infrastructure à disposition, mais il revient à chaque entité de rentrer progressivement dans cet arrimage. L'autre interpellation, c'est au niveau de la formation, les instituts de formation. Nous devons former des ingénieurs. Parce que si vous voulez développer une industrie locale de contenu, vous devez avoir des ingénieurs développeurs en local. Ou alors, la diaspora peut aussi intervenir. Parce que nous avons beaucoup d'ingénieurs informaticiens à l'étranger, ils peuvent rester ancrés à l'étranger, mais il faut cette politique de soutien à la mobilité. Ils peuvent également permettre de développer des applications, même s'ils sont à l'étranger, à partir du Cameroun. Parce que l'Internet, c'est une toile mondiale. On peut développer des applications même à distance. Alors, le quatrième groupe d'acteurs, c'est les institutions financières. Tous ces projets, vous avez dit 102 milliards, plan jeune spécial, plan triennal, est-ce que c'est suffisant? L'économie numérique demande plus. Donc, le chef d'État fait appel aux institutions financières pour soutenir le financement de ce genre de projet innovant de l'économie numérique. Donc, je voulais faire cette précision pour dire, du côté postal, également au ministère des Postes, il y a toute une politique qui est mise en œuvre aujourd'hui. C'est la politique d'adressage, parce qu'il y a un des intervenants qui a parlé des problèmes d'adresse. Il y a une politique, il y a une phase pilote dont l'implémentation a commencé à Ibolova. Et ça va se poursuivre sur toutes les endroits du territoire. Donc les conditions sont mises au niveau du gouvernement. Beaucoup de choses sont faites. C'est vrai qu'il reste encore à faire. Mais je dis, progressivement, nous aboutirons au but de l'économie numérique véritable au Cameroun. Thierry Bojeko, vous aviez la parole tout à l'heure. Oui, je disais que en ce qui concerne l'économie numérique, ça fait quand même des années qu'on dit que le Cameroun ne va pas booster son économie sans s'arrimer à la nouvelle exigence mondiale aujourd'hui. Donc, et on sait que le portail numérique est devenu la voie d'excellence pour chacun de pouvoir émerger. Également, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'auto-emploi. Et on parle beaucoup d'auto-emploi dans ce pays. J'aimerais, et moi j'ai tout, quand le chef de l'État l'a dit, moi j'ai vu tout de suite la ministre des Postes
télécommunications, concernant sa pugnacité, je suis sûr qu'elle va booster ses collaborateurs et ça ira extrêmement vite. D'ailleurs, en tous les cas, voilà la CAN féminine de football que le Cameroun organise au mois à la fin de cette année. Mais est-ce que vous savez qu'il y a près de 5000 emplois qui peuvent se développer autour de cette CAN, rien qu'à travers Internet? Oui, 5000 emplois. Et je connais des jeunes à partir de maintenant qui ont commencé à développer des concepts à proposer. Mais maintenant, c'est le trafic qui pose un véritable problème. Parce qu'il faut que ça aille vite, comme l'a dit notre copain tout à l'heure. Donc, il y a 5000 emplois déjà. Quand on aura l'occasion, je vous dirai à peu près dans quel secteur. Les hôtels veulent vendre sur Internet. En ce moment, je vous parle, à Douala, il y a un grand toilettage des hôtels. On a commencé à changer les anciens mobiliers pour mettre des nouveaux, changer les climats, ainsi de suite. On prépare l'événement. Les sont tout de suite, les hôtels sont déjà arrimés sur Internet. On peut déjà commencer. Je discutais avec une patronne d'hôtel il y a 4 jours, on s'est rencontré un événement. Elle me disait, j'ai vendu 70% de mes places. Où j'ai dit, mais comment, madame, vous passez même pas à la radio, faire la pub. Elle dit que non, non, sur Internet. Est-ce que nous, on vend les choses ici? On vend sur Internet. Là, on y a réservé les médias, même vos confrères de telle chaîne, on y a réservé, 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 ainsi de suite. Waouh. Vous voyez ce que ça peut donner l'économie numérique. Donc, c'est un secteur qu'on devrait développer. On devrait fortement. Et le chef de l'État, comme il fixe le cap, il sait que ça génère des revenus, tout comme l'agriculture. Maintenant, je voulais, s'il vous plaît, en une phrase, parler des repères. Et M. Le Maire a évoqué tout à l'heure les repères. Et c'est vraiment gênant. Les jeunes ne veulent plus écouter les discours. Ils veulent passer à l'action. Les jeunes ont besoin de s'identifier par rapport à des gens et non plus par rapport à des situations. Parce que c'est tellement confus les situations. Nous sommes dans un pays où les repères ne sont pas assez valorisés. Nous avons des gens dans ce pays qui sont des braves Camerounais, qui peuvent inspirer d'autres personnes, mais qui ne sont pas souvent mis en avant. Et comme l'a dit Kwebo, la maladie du Cameroun, c'est l'ENAM, malheureusement. C'est l'ENAM, malheureusement. C'est-à-dire que dans ce pays, tout ce qui n'est pas ENAM n'est pas bon à diriger ou à gouverner. Et ça pose un véritable problème. L'ENAM a sa place, mais il y a également ce qu'on appelle des raccourcis intellectuels, des gens qui ont réussi à se faire une place au soleil à partir de leur travail, de leur expérience, qui devait être monté en exemple. Pour le défilé du 20 mai, on se dit que c'est passé à Douala. Le gouverneur de la région du littoral a fait quelque chose dont on ne parle pas. Et je vais vous dire ce qu'il a fait. Il a identifié dans la région du littoral les jeunes les plus inspirants. Il leur a adressé tout de suite à chacun de ces jeunes des invitations pour s'asseoir à la tribune d'honneur. C'est réconfortant. Je vous dis ce que le gouverneur Samuel Ivar Dibois a fait. On n'a jamais vu ça dans ce pays. On n'a jamais vu ça dans ce pays. C'était le 11 février. La place d'honneur était aux jeunes. Les plus méritants. Les plus méritants. Quand j'ai reçu mon invitation, j'ai pensé qu'il y avait une erreur. Tout de suite, je me suis approché de celui du gouvernement. Il m'a dit que non, 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 c'est comme ça. C'est comme ça. Tu n'es même pas le seul. Aloum Djombe Konsamba, on a pris des gens dans tous les secteurs. Il a fait l'ENAM, hein. Bon, oui, il a fait l'ENAM, mais maintenant, c'est un état d'esprit. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Vous voyez un peu. Donc, son rôle. Alors, vous voyez que je me suis dit, si le chef de l'État, Paul Biya, pouvait, le 11 février, à la fin du défilé, recevoir au palais des jeunes Camerounais échantillons d'une société de rêve. Ou qui ont des idées. Qui peuvent inspirer ou qui ont réalisé quelque chose dans tous les secteurs pour un dîner, pour un toast, d'un petit vin, d'un petit jus, comme il le fait avec les diplomates. Il fait des photos. Pourquoi pas décorer certains jeunes? Je pense que ça boosterait les jeunes dans ce pays. Mais il est trop loin de sa jeunesse. Il faut qu'il te prenne comme conseiller politique, hein, ouais. Donc voilà, il est trop loin de sa jeunesse. Et c'est un véritable problème. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'un déclencheur, d'un motivateur. Les jeunes n'ont pas de problème. Hein. Ils sont assez intelligents, c'est les meilleurs dans le monde. Regardez bien. Mais ils veulent juste de la motivation. Ils veulent être motivés. Donc, le chef de l'État, je dis encore, ceux qui sont autour de lui devraient lui dire qu'il puisse parfois à ces occasions-là, c'est encore le cinquantenaire, je me suis dit, bon, on a raté le cap, réunir au palais, comme le gouverneur l'a fait, il a invité les jeunes de la région les plus distingués à s'asseoir à la tribune d'honneur, derrière lui, avec des tickets de parking d'honneur. C'est-à-dire que le jeune qui a sa voiture, gare sa petite Toyota Corolla, derrière le gouverneur, hein, parking d'honneur, et la police a respecté les consignes du gouverneur. Ça déclenche quelque chose dans sa tête. Certains aînés étaient carrément à tribune A, tribune B, non, certains aînés, mais les jeunes étaient bien à l'honneur derrière le gouverneur. Regardez encore les images. Je pense quand même que ça motive. Donc le chef de l'État pourrait également, dans un autre avenir,
montrer aux jeunes qu'il n'est pas si loin d'eux et qu'il est proche d'eux. Une occasion comme celle-là, les artisans, le petit élan, celui qui a fabriqué la machine à décortiquer le pistache, un autre jeune camerounais, de pistache, pardon, ils sont très nombreux dans le sport, partout. Ils sont jeunes étudiants, ils font, même ceux de la diaspora qui font des choses incroyables à l'extérieur du Cameroun, qui ramènent ces jeunes au Cameroun pour un dîner au palais présidentiel, qui décore certains jeunes, se ferait quelque chose de formidable. Monsieur Denis Kwebo, qui assiste à tous ces sommets internationaux en tant que journaliste camerounais pour nous ramener l'information, devrait avoir sa place dans ce conseil de jeunes. Et je me dirai, tiens, dans ce pays, parfois, il faut bon être jeune. Voilà un grand frère d'été au palais. Moi, je serai comme lui. Ouais. Si je travaille, j'irai au palais demain. Parce que le palais est devenu le rêve, pratiquement le point de repère de ceux qui ont réussi. Et quand tu brilles sans aller au palais, on est gars, tu brilles au quartier. C'est pour toi là-bas. Je propose qu'on donne la parole une dernière fois à l'expert sur la question de l'économie numérique. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le Cameroun puisse s'arrimer véritablement à cette économie-là? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de renforcer le développement de l'infrastructure. Donc, il faut continuer à mailler le territoire national en fibre optique. Des points d'atterrissement également sont prévus. D'autres points d'atterrissement sont en cours de construction. Et puis, il faut l'aspect sensibilisation. Parce qu'en en fait, on ne tombe pas dans l'économie numérique n'importe comment. On tombe parce que son voisin, on a causé avec son voisin, il vous a dit, bon, moi j'ai acheté un produit en ligne, c'est arrivé. Aujourd'hui, vous voyez par exemple la Poste camerounaise. La Poste camerounaise est rentrée dans la chaîne de valeur de l'économie numérique en captant quelques revenus au niveau de la distribution. C'est-à-dire qu'il faut acheter un produit aujourd'hui en Europe, il vous est distribué par le canal postal. Et il arrive à domicile. C'est faisable aujourd'hui. Bon, mais il faut communiquer, il faut que les gens sachent que ça existe. Donc je pense qu'il y a un volet sensibilisation à faire, un volet vulgarisation. Dessus, hein. Voilà. Il y a beaucoup d'impôts sur l'économie. Donc nous avons à gagner, l'infrastructure est là, nous allons poursuivre le développement. Et je voulais ajouter quand même un aspect que aujourd'hui au ministère des Postes, l'orientation est beaucoup plus vers le partenariat public-privé. Parce que le ministre des Postes, la nouvelle ministre, quand elle est arrivée, elle a mis en place un cercle de concertation, public-privé, société civile, un cercle de dialogue qui permet de recueillir les propositions et des problèmes des usagers, des entreprises, et de formuler des solutions pour qu'ensemble, on puisse aboutir à cette performance dans le domaine de l'économie numérique. Donc je crois que le chantier est ouvert et personne n'exclut. Et c'est pour ça que le chef de l'État parle dans son discours de la forte mobilisation de tous, parce qu'on ne peut pas faire l'économie numérique sans que tous les acteurs se mobilisent. Il faut que tout le monde se mobilise et s'implique, chacun à son niveau. Parce que l'économie numérique, même le consommateur, l'utilisateur, c'est un utilisateur producteur. Il peut produire des contenus et attirer quelques revenus sur la chaîne de valeur. Donc tout le monde peut y gagner. Donc, il y a tellement d'avantages. Vous regardez par exemple, quand vous êtes sur YouTube, c'est des utilisateurs qui postent des clips. Et lorsque ces clips sont consommés par d'autres utilisateurs, on peut gagner des revenus parce que son clip est beaucoup vu. Est beaucoup utilisé. Donc, j'ai dit, c'est un champ ouvert pour la jeunesse et il faut y aller. Je propose qu'on fasse un dernier tour de table, prenant les avis des uns et des autres, un dernier mot sur le discours présidentiel. Alors, je voudrais revenir sur la question des financements. On disait qu'il n'y a pas de repère au Cameroun. Il y a quand même un repère fondamental et principal, c'est l'argent. C'est l'argent. Si vous êtes un peu riche, même après avoir commis des crimes, tout le monde vous respecte. Dans le quartier, on respecte ceux qui ont un peu d'argent au moins. Si vous n'avez pas d'argent, quel que soit votre niveau d'éducation, quel que soit votre niveau d'instruction, vous n'avez pas votre place. Et c'est aussi cela qui plombe tous les projets gouvernementaux dont on parlait. Lorsque les gens entendent FILA, c'est 1 million de francs, ok, tout le monde court parce qu'il veut prendre les 1 million. Ce n'est pas pour développer quoi que ce soit. Quand le ministre Adesina, le président d'Abad actuel, était ministre de l'Agriculture au Nigeria, il a dit qu'il a trouvé que les banques ne finançaient pas l'agriculture. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de risques. Et le gouvernement du Nigeria a créé un fonds de garantie aux prêts agricoles de 3,5 millions de dollars. Des prêts. Avec ça, il y a des médecins. Moi, j'étais à Dakar avec un médecin qui a démissionné pour devenir agriculteur parce que c'était à peu près l'équivalent de 30 millions de francs CFA pour toute personne qui veut créer une plantation. On a pris 100 hectares de terrain pour faire l'élevage de porcs, non loin de l'aéroport. Et puis, vous venez vous installer sur des blocs bien précis. Ici au Cameroun, malgré tous les programmes, malgré les centaines de milliards qui ont été mis
dans divers programmes, maïs, plantain, palmier à huile. Vous n'avez aucune plantation. Vous n'avez pas le plantain sur le marché, vous n'avez rien. Ça n'existe pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de programme. Il y a eu des programmes. Si les programmes, si on fait du financement sur pied, en prêt, il y a beaucoup de... S'il y a de l'argent à prendre avec garantie de l'État demain, moi je prendrai non demain lundi. Mais il n'y a pas de financement sur pied. C'est-à-dire que vous avez créé une palmeraie de 5 hectares et on vous finance. Parce que, je vous disais tout à l'heure que lorsque vous avez mis une palmeraie, il vous faut 3 ans et demi, 4 ans pour récolter la première tête de noix. Il faut manger entre-temps. Si vous avez un petit financement, vous pouvez même développer une activité autour. Il faut qu'on apprenne au Cameroun à ne plus sortir les gros montants pour attirer les fonctionnaires. Parce que dès qu'ils ont entendu, vous avez les 202 milliards dont Bia parle, ont déjà été répartis dans l'esprit de beaucoup de gens. Ils savent déjà, ils savent que de toutes les façons, je serai impliqué dans la gestion des 102 milliards. Là, on ne peut pas s'en sortir sans 60 milliards. Entre-temps, ils vont lancer directement un autre vaste programme. Ils ont parlé de 1 000 milliards. La réflexion, c'est 1 000 milliards. Sur la desserte des bassins agricoles. Moi, je suis installé sur l'un des bassins agricoles où on va aller. Je crois que la route devait aller de Banganté, Baïsing et jusqu'à Mbouda. Cette route, il y a eu une matérialisation, ça fait à peu près 6 mois. Il faut dire à ceux qui soutiennent le régime et ceux qui sont avec Biya, on dit que depuis le 30 octobre, il y a eu zéro pluie à Douala. Donc entre 30 octobre 2015 et ce jour, il y a zéro pluie. Ça va faire bientôt, pour la première fois dans l'histoire, pour ceux qui parlent du changement climatique, ça fait 6 mois de pluie sur le bassin littoral. Donc si vous avez 6 mois de pluie sur le bassin littoral, il y a une catastrophe qui s'annonce. Pour développer la culture des arachides et développer le riz, parce que le Sénégal a doublé sa production de riz en 2 ans, parce qu'il y a, eu des pipelines hydrauliques où l'eau a été portée sur des zones complètement sèche. Et vous branchez comme on se branche sur CDO Cameroun, vous prenez le volume d'eau dont vous avez besoin pour cultiver. Donc il faut que les gens sachent qu'on peut prendre la zone la plus fertile aujourd'hui ici, c'est tout le Grand Nord, sans plus. On peut prendre un pipeline, au lieu de faire le pipeline pétrolier Tchad, de Doba jusqu'à Kémi, on peut faire un pipeline hydraulique et à ce moment-là, vous aurez la plus grande zone d'agriculture sur le nord qui n'a pas besoin d'engrais parce que la terre est très fertile. Si les gens veulent développer leur pays, qu'ils ne pensent pas en termes de mandat, ils disent ce qu'ils sont ou ce qu'ils aspirent à y être. Il faut que tous ceux qui estiment que le Cameroun est grand commencent à penser aussi est grand, qu'on ne fasse pas du patching parce que lorsque vous êtes dans le Titanic, parce que le régime actuel c'est le Titanic, prend de l'eau un peu partout. Malgré tous les discours, malgré toute la bonne volonté du chef d'État, il y a trop de trous sur le bateau et il l'a reconnu. Et tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est sauver le Titanic, c'est passer le temps à retirer l'eau. Je vais chuter sur une chose encore importante. Il y a beaucoup de questions. Si moi, je rencontre le président de la République, je lui pose des questions. Monsieur le président, lorsque vous voyez le sentiment, par exemple, il y a eu tout un sentiment anti-français qui s'est développé ici. Tout le monde le sait. Quand vous entrez chez les ministres, c'est que la France veut nous tuer. Au même moment où on pense que ce sentiment-là anti-français se développe parce qu'on estime que c'est la France qui veut apporter du désordre à certains endroits du Cameroun, les intérêts français sont en train de prospérer plus. On a donné le port à un opérateur français. Tout est aux Français. Il y a une sous-traitance ici au Cameroun. Tant que ceux qui sont là vont avoir des visées telles que le plan diabolique de créer une seconde capitale ou une capitale économique bis à Kribi, qu'est-ce qu'ils vont le faire? On aura des problèmes. Parce que les gens ne réfléchissent qu'à tordre tous les projets qui existent parce qu'ils ont leur visée, personnelle. Il faut qu'on passe à un pays où, bon, malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui ne se sont jamais battus pour notre indépendance et on aura encore des problèmes pendant beaucoup d'années. Achille, un dernier mot sur le discours. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que les jeunes prennent leurs responsabilités. Cyril a dit quelque chose d'extrêmement important tout à l'heure, que les jeunes camerounais surtout ont beaucoup d'intelligence, ils excellent dans tous les domaines. Et il faut que nous, jeunes, prenions nos responsabilités en nous engageant. Parce qu'une chose est sûre aussi, on ne donne pas aux jeunes la place qui est la sienne. Dans les partis politiques, on vous dit « Asseyez-vous là-bas, jeune homme, vous n'avez rien à dire. » Et quand vous osez parler, on vous dit « Qui vous a donné la parole ?» Il faut que les jeunes s'affirment, hein, et passent à la vitesse supérieure en s'engageant. Parce que les jeunes ne véhiculent leurs idées. Qu'ils arrêtent de penser qu'ils doivent rentrer dans un parti politique parce que c'est un tremplin pour trouver du travail. Non. Il faut se battre, il faut s'inscrire, il faut
avoir le courage de parler de ses idées, il faut monter des projets, bref, il faut se mettre en valeur et arrêter de se laisser instrumentaliser. Parce que les politiques, ils utilisent les jeunes quand ça leur plaît et une fois qu'ils ont traversé le pont, on laisse tout le monde tomber au bord de l'eau. Donc il faut que les jeunes inversent la tendance. Et ça commence par les discours. Arrêtons quand nous avons vu que c'est noir de dire que c'est blanc. On aura avancé d'un pouce parce que nous, on aura fait les choses autrement. Cyril Bozico. Oui, je voudrais que nous passions du management des activités au management des résultats. Et que tous ceux qui nous gouvernent, dont la plupart sont issus de l'ENAM, et beaucoup sont nommés à des postes stratégiques dans des entreprises de technologie précise, comprennent que aujourd'hui, on est passé à une société, pas d'administration, mais le Cameroun veut avoir une société de développement. Quand le président parle d'innovation dans ses discours, et ça revient à presque tous ses discours, quand il parle d'innovation, il faut bien qu'il pèse ses mots. L'innovation ne se ferait pas avec les politiques d'administration publique, mais par contre, avec les politiques de développement public, développement en termes de ressources humaines. Le Cameroun a besoin de jeunes, pas enseignés, mais de jeunes formés et encadrés. Et j'insiste bien sur les deux mots, formés et encadrés. Vous allez voir que dans notre pays, le Cameroun, le chef de l'État parle de l'industrialisation. C'est pas avec les lycées d'enseignement général, monsieur le Président. Non. On ne peut pas avoir dans un pays comme le Cameroun 10 lycées d'enseignement général pour un lycée d'enseignement technique. Ça, c'est faux. Nous sommes en train de produire sur le marché camerounais des administrateurs et des généralistes qui vont venir gonfler le nombre de chômeurs demain et qui auront besoin, ayant passé toute leur vie à fréquenter, retourner faire des cycles spécialisés qui leur prendront encore beaucoup de temps. Pourtant, à 24 ans, un enfant peut directement être opérationnel, commencer déjà à avoir son premier salaire pour essayer déjà d'assurer sa vie et au bout de 40 ans, 50 ans, il a déjà le chez lui. Il n'aura pas tendance à aller voler dans l'État. Mais quand un jeune va commencer tard sa carrière, gagner son salaire tard après 32 ans, soyez sûr, c'est une catastrophe sociale, il n'y a rien à faire. Même pour ses parents, il ne pourra pas retourner l'investissement à ses parents qui sont au village, donc c'est ça. Donc il y a cette planification stratégique qu'il faudra mettre sur pied en ce qui concerne la politique de la gestion des jeunes au Cameroun. La formation des jeunes par rapport au secteur clé de l'économie du Cameroun, les secteurs à venir dans les 5, 10, 20, 30 ans, le monde va tendre vers où? C'est par là qu'on va commencer maintenant à mettre sur pied les bases. Les centres de techniques d'excellence existent à l'entrée de l'IMBE et ici, là, à BPCT. Oui, à Douala, c'est des. Bon, l'Assemblée, je n'ai pas encore vu. Je ne suis pas encore à l'Assemblée pour voir ce qui était là-bas. Je ne suis pas allé là-bas quand ça existait déjà. Mais ce que j'ai vu à l'IMBE et à Douala, c'est vachement fort. Ça donne envie de rêver. Donc, j'espère qu'on sortira de là ces jeunes-là formés sur les grandes technologies. Mais surtout, et j'insiste là-dessus, monsieur le maire, et c'est aussi votre mission. Et sur les missions des médias. Parce que nous parlons ici, mais les médias ont échoué au Cameroun. Hein. Nous ne sommes pas dans nos missions d'encadrement et de la formation de la société. Nous devons encadrer la société. Les jeunes ont besoin d'être encadrés parce que s'il n'y a pas un encadrement, la formation est vaine, l'enseignement est stérile, il n'a rien produit. Donc ces trois facteurs, enseignement, formation, encadrement, devraient être justement les politiques mises en place pour la jeunesse. Et ainsi, on n'aura plus besoin de trop parler aux jeunes pour qu'ils comprennent parce que le jeune va se prendre en main. Et la valorisation des repères, que ceux qui ont quand même réussi à montrer un certain dynamisme puissent être mis en avant. Reconnus. Voilà, reconnus pour inspirer d'autres personnes. Donc voilà donc ce que je voudrais dire ici. C'est comme l'a dit Denis Kwebo, ce sont les 102 milliards, c'est beau, ça sonne bien dans les oreilles, mais véritablement, ce n'est pas suffisant. Motivant. Et comme il a dit, le repère, c'est l'argent. Ça ne devrait pas être ça, le repère, aujourd'hui. Donc, j'insiste sur les trois mots, enseignement, formation, encadrement des jeunes. Élisa. Oui, je voudrais finir par vous dire que après le discours de l'État, il y a des mots-clés qui sortent, patriotisme et monde pays. Engageons-nous dans l'effort de construction de ce pays. Deuxième volet, c'est l'économie réelle. Il a dit la terre ne trahit jamais, ceux qui comprennent. Troisième mot, économie numérique. Beaucoup d'opportunités d'emploi. Je suis content que Cyril ait embrayé le pas sur les centres pilotes de formation. Quand le chef de l'État dit les entreprises camerounaises n'ont pas seulement besoin des jeunes diplômés, mais aussi des ouvriers qualifiés et des techniciens supérieurs recyclés. C'est pour ça que les trois centres pilotes, celui de Saint-Mélima, celui de Limbe, celui de Douala, ont été mis en place sur un investissement de 21 milliards du gouvernement de la République. Vous voyez donc qu'il y a une cohésion et une cohérence totale dans les projets qui sont mis en place. Et je voudrais dire avec M. le maire que pour une fois, nous sommes d'accord que les jeunes devraient prendre le taureau par les cornes. Il ne s'agit pas seulement au niveau interne des partis, où le combat commence avec la génération qui va, parce que ceci est un conflit transgénérationnel, parce que ce n'est pas toujours évident que l'autre laisse sa place à l'autre. Il s'agit
que pour nous les jeunes de prendre les commandes de la gestion des choses de la cité et pas les moyens légaux légitimes qui sont les nôtres. Vous comprenez? Donc et l'occasion nous est donnée à travers les inscriptions sur les électorales pour que la plus grande frange de la population, c'est-à-dire les jeunes de 15 à 35 ans qui représentent 5% de la population, puisse s'inscrire et le moment venu démontrer par leur force le patriotisme. Bon, maintenant, ce qui concerne la manifestation de l'autre jour, il s'agit des jeunes qui voulaient manifester et qui ont choisi le mauvais endroit, le mauvais lieu pour se manifester. C'est clair. Dans la deuxième, le 11 février. Ce sera vos collègues ont mal fait parce qu'ils n'ont pas. Ils ont passé le temps à braquer leur caméra sur un incident de 30 individus et ils ont laissé de côté 1000 personnes qui ont défilé. C'est le travail des médias, montrer tout ce qui se passe. C'est comme le parti du président. Voilà. Bon, donc, je comprends aussi pourquoi tes amis t'apprécient beaucoup, parce que je suis un homme des médias. Parce que tu pourrais bombarder demain à Balafon. Joseph, est-ce un dernier mot sur le discours? Alors, je dis, le cap a été fixé par le chef de l'État. Il revient maintenant à la jeunesse. Relever le défi du patriotisme économique dont a parlé le chef de l'État. Et pour cela, j'invite donc toute la jeunesse, la piste de l'économie numérique, à suivre cette piste qui offre beaucoup d'opportunités pour la jeunesse. Du côté de l'administration, nous mettons le maximum de moyens en fonction des ressources disponibles. Nous avons une infrastructure à clé publique nationale qui permettra de sécuriser le cyberespace camerounais. Nous allons poursuivre le développement des infrastructures et j'invite les jeunes à s'enregistrer massivement sur le forum en ligne que va parrainer le ministre des Postes et Télécommunications dans les prochains jours pour présenter les projets innovants et qu'on pourrait encadrer à l'avenir. Il y a quand même quelque chose qu'on est en train de vouloir laisser passer ici. On peut donner l'impression à certains jeunes Camerounais que leur avenir peut se faire avec le régime actuel. Hein. Ce serait une mauvaise impression parce que quand vous voyez, un homme ne peut pas faire le plan de sa maison. Je dis que moi, en tant que citoyen, je pense que mon avenir. On en a discuté dimanche dernier. Je parle de moi. Je dis que moi, mon avenir. On en a longuement parlé dimanche dernier. Ça peut être une erreur, une boutade. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Denise, Kouébo, Achille. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Denise Kouébo, Achille, Siri Bougico, Elisa et puis Joseph et tout. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne Saint-Valentin, messieurs. Très bonne Saint-Valentin. Alors, il y a quelqu'un à prendre. Très bon.